Le retournement en double ramassement de bras. Lutte au sol. Pour réaliser cette forme de corps efficacement, il convient d'abord d'exercer une forte pression sur l'adversaire avec le torse. L'objectif ici est d'exercer une contrainte permanente sur la ligne des épaules pour aller supprimer simultanément les deux appuis brachiaux. On vient donc passer les deux mains de part et d'autre du torse pour ensuite créer un mouvement de rotation afin que l'adversaire roule sur le dos. On remarquera ici le rôle capital de la tête qui assure un contact permanent avec l'adversaire. Le retournement en double ramassement de bras peut être enchaîné facilement vers une finale costale ou une finale latérale, comme on peut le voir sur cette démonstration.